arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a que le petit buzz, après coup, une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va faire le défi Rage du Carré Bélier. Alors, pourquoi je suis déjà à 6 alors qu'il y a que 2 victoires à faire? On va jouer chill, juste le petit deck, voilà. Ça, c'est le meilleur deck d'ailleurs pour le défi, je vous le conseille. Bref, avant que les vidéos commencent, les gars, très très important, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher votre meilleur pouce bleu. Et puis voilà. Donc là, aujourd'hui, tout simplement, c'est pour faire. On va faire une vidéo très très courte. Et j'ai plus parlé de la chaîne, tout ça. Ce que j'ai envie de faire et ce que je vais faire, ça. Donc, hop. Voilà, donc en gros, déjà, la chaîne, je vais la continuer, je vais essayer de mettre à fond dessus. Donc, je sais pas s'il y a des idées, vous avez des idées de vidéos ou n'importe quoi, je prends. Ça peut être sympa si ça vous fait kiffer, bah c'est cool. Et si vous donnez plus de tutos, moins de tutos, plus de types de vidéos comme ça. Juste dites-moi. Et puis voilà, donc on se fera ça. Mon but sur Clash Royale en ce moment, ce que je vais essayer là, c'est là, vous voyez, je suis genre à niveau 7K6, 7K8, un truc comme ça. Mon but pour 2023, du coup, enfin genre ouais, fin 2022, début 2023, c'est de viser la CRL. Je sais que c'est très très haut, mais je me dis en un an, si je regarde le jeu, tu vois, je peux y arriver, tu vois. C'est ce que je me dis, donc bah. Le mieux c'est de viser la CRL du coup pour 2023. Et bah espérons que j'y arrive. Et du coup là je vais travailler les. Comme là, comme vous voyez que là je suis sur un compte, mon gros compte je l'ai vendu si vous avez suivi ma vidéo. Mais mon gros compte je l'ai vendu, du coup j'ai plus mon gros compte. Et j'ai que mon petit compte. Et mon petit compte il est niveau 13, du coup il manque 80 000 XP à peu près, 70 000 je crois. Du coup c'est très bon farm, du coup il faudra choisir beaucoup les SD. Du coup il y aura beaucoup de vidéos SD qui vont sortir, étant donné que j'ai 25 000 gemmes. Les vidéos SD, vous inquiétez pas, ça a pas. Il y aura custom en fait, hein, j'aime vous dire. Des tutos en SD. Et voilà, donc on va travailler le jeu et on va essayer de. Le but c'est d'arriver en CRL pour de fin 2023. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que vous m'encouragez. Et si vous avez des idées, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires. Je suis tout de suite à tous. Si vous voulez poser des questions, que ce soit n'importe quoi, pour toutes les vidéos ça marche. Hein. N'importe quoi, que ce soit Insta, n'importe quoi. Que ça soit pour CR ou n'importe quoi, pour des streams OBS, n'hésitez pas, je suis dispo sur Insta les gars, donc c'est là où je suis plus actif, là où j'ai le plus de chances de répondre, donc bah juste venez me suivre comme ça, moi vous voyez un petit peu mes stories et tout ça, bref, ça peut être sympa. Bon, on s'en trouve un petit peu sur la game là, histoire 2, parce que plus tard je vous avoue que je joue, mais je joue pas quoi. Hop, on va faire comme ça. Ma défense c'était une scène, hein, qu'on soit bien d'accord. Bah je sais pas quoi faire, du coup on va foutre je pense. On va prendre de risques. Pas une peur de la tour bêtement. Tu sais que j'ai un putain de la tour, hein, mais en soi je m'en branche, je vais la prendre. Je vais mettre un Kava, esprit, suivi d'un esprit et c'est bon tu vois. Ah regardez ça. Tu peux mettre ça et ça en pré-shot au cas où tu vois si. Bah mais c'est la vite, je prends la tour quand même. Bon voilà. Donc là voilà, c'est une vidéo très courte aujourd'hui, c'est juste pour vous expliquer ça. Et du coup il y aura que deux games. C'est une vidéo de moins de 10 minutes. Juste petite vidéo histoire de dire je suis un petit fond de gameplay, tu vois, histoire tranquille, parce que je sais que le défi c'est facile. Donc petit fond de gameplay où j'explique rien, juste je vous présente le deck, meilleur deck pour le défi. Et je parle de la chaîne, de ce que je. Mon but sur serre. Et puis voilà. Si vous avez un niveau niveau 7K3, 7K6. N'hésitez pas à me dire aussi, moi je suis chaud de traîner avec vous. Et puis voilà. Tout simplement. Bon bah du coup, là ce que je vais faire c'est que je vais commenter un peu la game, hein, tant qu'on y est, on est plus à saper. Ok mec, il est tout bon, let's go. Ok. Bon, absolument pas à la tour, mais c'est pas dramatique en soi, je m'en branle un peu, je vous avoue que si je sais très bien que là, si je travaille la game, je la win, donc rien de trop dramatique. On va mettre un Kava ici, histoire de dire, on va tout rouler avec une foudre. Oula, Golex, ouais, ok. Une Golex, Gracious.
Oh, je suis fatigué. Ok, petit su. Ok, petite vovo, tranquillou. Petit esprit ici, là. Regarde le fantôme ici pour être l'arty, tranquillou. Voilà, parfait. Voilà, de mort le dragon qui va gratter, mais c'est pas trop grave, on va aller prendre la tour. Et il va défendre comme un gros trisomique, parce qu'il est vraiment trisomique. Non ? Il défend pas. Genre là, il défend pas. Ok, c'est parti. Bon. Kikaba. Ouais, prendre la tour, je pense, avec une foudre. Bah, pas besoin de foudre. C'est un peu chiant que la tour meurt pas, mais en vrai. Pareil. Ok. Bon, bah, c'est bon, ça défend facile. On va mettre un petit fantôme, il faudrait quand même terner cette tour. Ok. Ouais, le 3 couronnes, hein. En vrai, je préfère jouer le 3 couronnes dans ce genre de défi parce que c'est le début de saison et j'ai une ferme le passe, donc on va pas défendre, on va juste en mettre tout au poumon et... On sera dans tout... dans obligé d'être plus rapide que lui parce qu'on a plus de troupes et... Oula. Bon, bah, petite défaite imprévue. Let's go, ça fait du bien, le karma, tout ça. Je pensais qu'on avait win la game, j'ai pas fait attention. Bon, c'est pas grave. En vrai, je me brûle un peu. J'avoue que le temps que je perds pas de défi, après j'ai le pass au pire, mais... Bon. Je te dis, on va essayer de la traiter pour pas la perdre quand même, ça serait con. On va juste mettre un titre au couronne, histoire de... Ouais, il se va vraiment aller faire ce plopon. Ah ouais, lourd, hein. Ouais, Ah, c'est pas sûr, ouais, en vrai, c'est pas... Ouais, je vais quand même défendre, histoire de prendre qu'un coup. Ouais, histoire d'être sûr de prendre qu'un coup, bon, j'ai plus d'Elex, ouais. Et là, évidemment, j'ai que des cartes à 5. Donc, on va prendre 700 millions de dégâts, hein. Je vais mettre la reine. La cave enragée, c'est énervé, hein. Waouh. Ouais, j'étais pas, ça a défoncé la reine. Ouais, non, mais frère, ça va. Ok, on va les mettre de bons dommages. Ouais, bah, on prend tellement cher. Je pense que je vais split les dégâts, comme ça moi il va défendre la volée, c'est quasiment sûr. D'accord. Donc là on est sur un double Kava avec un GR. D'accord. Bon moi bah, je sens que cette game va être aussi assez compliquée. Let's go. Bon, c'est le gars de la tour. On va défendre comme on peut. Oh là, je suis tornade. Vas-y, on va pêche du coup avec ça. Normalement, ça dépend ce qu'il a en défense, mais wesh. Il a pété un câble. Je sais pas si le compte que ça veut dire la défense. Wesh. Le mec, c'est aussi que le pandère ici. Hein. Bon, bah, let's go. Hein. Et celle-là, on fait la même. Hein. Allez, hop, ça part. Wesh. Vas-y, go le 3 couronnes. Là, on va l'avoir avant, c'est sûr. Ouais, on finit le défi. Hurra. Allez, on va s'améliorer le petit dragon de l'enfer, histoire de... On va s'ouvrir le pass, tout ça. Sinon, c'est une vidéo très courte, donc au pire, je fais pas trop de soucis. Hop. Alors, on peut passer Kava niveau 10. Je m'en bats les couilles, voilà, si vous voulez tout savoir. On va juste améliorer le petit D2 ici, tranquillement. On a 5 000 d'or. Bien sûr qu'on a 5 000 d'or. Maintenant c'est à mon tour de faire le SZ, donc bon les gars on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, c'était vrai cool, ciao ciao.